How to ask a question. Part 3. Les questions ouvertes portant sur le sujet de la phrase. Une question ouverte est une question à laquelle on ne peut pas répondre par juste oui ou par non. Il faut forcément répondre en élaborant un peu. Pour poser une question ouverte, on utilise des question words. Who, what, which, why, when, how. Qui, quoi, lequel, quand, où. Il en manque. On pose une question ouverte pour avoir des informations, soit sur le sujet, soit sur l'objet. Commençons par les questions portant sur le sujet. Quand on pose une question à propos du sujet, l'ordre des mots reste le même en anglais. Prenons un exemple. Ben is playing the piano. Le sujet Ben, auxiliaire is, le reste du verbe playing the piano. Phrase déclarative dans un ordre simple. Quand on pose une question, l'information qui nous manque ici, c'est Ben. On veut savoir qui joue du piano. Donc, on garde la phrase dans le même ordre, on enlève Ben et on met a question word qui correspond. Ici, qui en anglais, who. Who is playing the piano? Ben. Ben is playing the piano. Autre exemple. A cow ate my homework. Une vache a mangé mes devoirs. Sujet, a cow. Verbe, ate. La question qu'on pose porte sur qu'est-ce qui a mangé mes devoirs. On garde la phrase dans le même sens. Et on rajoute what. What ate your homework? A cow ate my homework. End of part 3.